J'ai toujours couru, même quand je faisais de la planche à voile. Je pense que tous les sportifs de haut niveau font au moins un petit running de temps en temps pour le fond, pour travailler le fond. Et j'ai toujours couru, mais même avant de faire de la planche à voile, j'ai toujours adoré courir. Je pense que quand j'habitais Orléans, je devais être une des premières femmes à courir sur les bords de Loire. Je devais avoir 15 ans. Et vraiment, j'ai toujours adoré ça. Et puis après, quand j'ai arrêté, enfin, j'ai pas vraiment arrêté la planche à voile et tous les sports de glisse parce que ce sont des sports fun, donc on continue à les faire. Mais courir a toujours été une évidence. Donc ça n'a pas été un passage. Simplement, je cours plus maintenant. Je cours toujours après une sorte de performance, mais finalement, c'est un petit peu moi, la performance entre guillemets. J'aime, quand je cours en pleine nature, en trail, dans les collines, il y a zéro performance. J'adore découvrir au détour d'un chemin la mer, le vert, les roches. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement jubilatoire. Et puis après, quand je cours pour m'entraîner avec mon club, puisque je fais du triathlon, là, bah, tour de piste, fractionné, sortie longue, il y a la notion de performance pour m'améliorer sur les triathlons, mais plus comme quand j'étais sportive de haut niveau. C'est un autre truc. Je joue plus ma vie, en fait. Le monde évolue, les femmes changent, le monde change, les femmes s'émancipent et aujourd'hui, les femmes commencent à vivre comme des hommes. Il n'y a plus vraiment de différence, bon, encore, hein, notamment pour les salaires, mais de différence de genre, on ne pense plus genre. Moi, je n'ai jamais pensé, ça tu peux le faire parce que tu es une femme, ça tu ne peux pas le faire parce que tu es une femme, ça ne m'a jamais effleuré. Éducation aussi, hein, c'est mes parents qui étaient comme ça. Et aujourd'hui, ben, les femmes ont évolué et elles se mettent à courir. Ça me paraît naturel. Et puis aujourd'hui aussi, je pense que les femmes ont moins de culpabilité à prendre du temps pour elles pour aller courir. Parce que c'est un peu ça le sujet. C'est que nous les femmes, et maintenant les hommes qui ont des enfants aussi, hein, en couple d'hommes, c'est que quand on a des enfants, on se dit, eh bien, ce que je fais pour moi, c'est du temps en moins pour ma famille, pour mes enfants. Erreur. En fait, quand on se sent bien, si on est un peu le pilier d'une famille, on va par ruissellement faire que la famille va se sentir bien. Donc c'est important.